Et tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube. Je rappelle, les gars, pour donner la force, on met un like, on commente. Et on a le petit lien dans la description pour aller sur mon site qu'on va commenter aujourd'hui entre notre ami Paul, qu'on a déjà vu sur la chaîne. Courageux Paul, là, il tombe sur Mickaël Lebout, ex-combattant UFC, qui a combattu dans plein d'orgas, qui est un animal au sol, qui est très très fort. On va voir comment ça se passe. Et mention spéciale à son t-shirt qui a pris cher avant le combat. Mais il va jusqu'au bout avec, c'est un grand Jay Hulk. T-shirt arraché. Allez, c'est parti. Donc là, dès le début, en réalité, Paul aurait pu un peu le mettre, je vais pas dire dans le mal, mais vous voyez, il a une garde papillon, mais il est sur le dos. Donc s'il le gardait comme ça en contrôle et qu'il aurait travaillé en pression, il aurait pu d'ores et déjà le gêner. Bon, il relâche. Bon, Mika en profite, hein. Voilà. Il remonte assis là, sa papillon devient dangereuse. Allez, tiens la nuque, ça c'est bien, c'est un bon contrôle. Et ça repart. Allez, beaucoup de monde. Allez, ben Paul aussi qui rentre sur un genre de papillon. Et Mika qui est patient, hein. Vous voyez le magnifique t-shirt. Donc il tient la nuque. Il est patient, il sait que s'il lève sa jambe, il va peut-être se faire déséquilibrer. Et Paul qui s'enroule, c'est magnifique. Il s'enroule donc sur la jambe, il va attaquer une clé. Il a le bon réflexe là, il ferme en triangle. Il vient chercher la tête, il va essayer en fait de garder une pression. C'est dommage que Paul là, il n'y croit pas, il aurait dû s'enrouler et continuer. Hein. Ok, ça repart. Là, Mika, genou, je peux vous dire, là, c'est compliqué. Hein. Il est stable. Il est dur à bouger. Hein. Ah, il vient chercher un contrôle là, derrière l'aisselle. Paul, c'était pas mal. Bon, qu'est-ce qu'il veut nous faire de la Ruber là? Allez, Mika, imperturbable. Il continue sa petite avancée. Il grappille. Il est à genoux et il travaille en pression. Et Paul qui est sur du knee shield. Ouais, un knee shield solide là pour l'empêcher de. Ouh, c'était joli ça. De continuer son avancée, j'allais dire. Oui, c'est pas mal tenté. On va remettre parce que c'était sympa. Donc il est en knee shield, on s'attend pas trop à ça. Il va relâcher, il repousse pour essayer de remonter en lutte. Bon, le problème c'est que Mika l'a senti venir, je pense, à 10 000 et a réussi à le contrer direct avec une guillotine. Paul la défend. Maintenant, le problème, c'est qu'il est en torsio. Il revient joli, belle recompo. C'est bien, bien amélioré, hein, Paul. Il a bien évolué. Là, il est sérieux. Là, il tente le petit ciseau. Pourquoi pas? Ouais, là, autant aller en garde fermée. Là, faut qu'il sorte sa jambe. Je pense que Mika, elle le sait. Et il tente la Kimura, impossible. Et ouais, là il grappille, il grappille. La pression, est-ce que ça passe? Il a encore son genou. Ok, joli. Ouf, ça a été chaud. Il a mis l'énergie là, mais il est revenu. Et il cherche un contrôle Kimura inversé. C'est bien, il tente vraiment beaucoup de choses, Paul. Mika là qui reste dans son game plan, là il est dur quand il est comme ça. Et ça repousse d'un bras. Pression. Allez, de nouveau sur son niche. Il essaye peut-être de faire un genre de smash. En fait, il essaie vraiment de coller à chaque fois, rentrer la jambe en dessous pour travailler en pression, Mika. Le problème, c'est qu'il est dur à sweeper puisqu'il est, il est vraiment stable. Allez, magnifique. On remet. J'étais en train de parler. J'ai vu qu'il s'est jeté. Hop. On va remettre un peu plus loin. Voilà. Donc il a compris que là le Nishil il aurait du mal, j'ai l'impression. Donc il a accepté, il se jette et il essaie de rentrer de suite en saddle. Paul, bon réflexe, tourne. Peut-être pas assez parce qu'il se retrouve avec le genou en face des hanches de Mika qui a plus qu'à tirer pour la clé de genou, c'était joli. Ah et ça repart peut-être Mika en dessous cette fois-ci.
Et de suite, il vient lutter. Et tout dans le respect, on jette pas l'adversaire dehors. Il le porte et il le pose au milieu. Et toujours le gros Martial là qui vient nous embêter là. Ok, donc il est toujours sur son contrôle hein, après l'avoir posé gentiment, délicatement. Et là c'est dur, hein, contrôle, sorte de contrôle judo là, de côté. Paul devrait juste chercher, voilà, créer l'espace, c'est bon, c'est fait. Il a remis son Ishil, je crois. Vraiment tactique ce combat. On a l'impression que ça n'a pas beaucoup bougé, mais c'était des belles positions. Et en 5 là, ouais, Paul il est à bout. Hein. Lumika il épuise. Ah, il a même. Il se jette, il enroule. Là, je crois qu'il avait de suite le talon. On va remettre l'action. De nouveau, hein, il y avait donc le knee shield. Il a même pas insisté. Là, il s'est dit bon, il me gêne avec sa jambe. Je vais me jeter. Ah, il est parti en clé de cheville. Simple. Mais avec le ripping. Ouais, donc forcément, ça fait peur et ça fait mal. Et on est sur la fin du combat, magnifique. Bravo les gars, franchement. Paul, très solide. Très très solide. Et merci Nassim pour ce super commentaire. Mika, je compte sur toi pour te venger du commentaire de Nassim à la fin. Merci à tous. Pensez au lien dans la bio pendant une semaine. On a une petite réduction sur mon site. Et le petit like et les partages, c'est très important. Merci à tous.